Je sais pas si on est en live là. Normalement, oui, de toute façon, c'est marqué live. Ok. Allez, on passe à la suite avec Tomb Raider. C'est parti. Hop. Allez. On se met à l'aise. Des ennemis là. Je serais pas étonné qu'il y ait quelques bestioles dans le coin là. Là, il y aura sûrement un mécanisme enclenché. Ok. J'avoue que je l'ai pas vu venir celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Voilà, je vais peut-être laisser comme ça fait que ça recommence avec la caméra. Oh, ça ira. Eh, lumière minimum, parce que là, ça commence à me taper un peu. Non, là. Dans le coin de l'œil, là, ça commence à être agressif un peu. J'avais pas vu le petit mécanisme caché. Oula. Recule, putain. Ah. Ah putain. Oh mais elle était mal placée aussi cette conne. Elle était mal placée. Oh, je joue niveau, ouais, de toute façon, oui, on est au début du niveau, donc là oui, on va pas s'emmerder à faire charger partie. Hein. Ça revient au même. Voilà. Ça aurait été un peu plus long, mais... Bon, on se fera pas avoir une deuxième fois là. Voilà. Bon, on sait que là-haut c'est fermé. Il vaut mieux avoir les flingues dégainées, juste au cas où. Qu'il y aurait d'autres raptors là. Bah. Ah voilà. Êtes-vous sûr? Ouais. Ça fait un peu tôt pour prendre un checkpoint, mais bon.
Ok. Attends, on va peut-être pas s'en préoccuper maintenant de ça. Quoique, remarque. Ah, mais c'est trop haut. Ouais, c'est trop haut. Alors. C'est pas ça. C'est pas ça. Un truc que j'ai pas fait encore. Attends, oui, ça fait un peu loin, effectivement. Ah, là, elle aura dû s'accrocher. Hein. Bon, on reviendra plus tard. Pour l'instant, j'ai pas la solution. Et du coup, si je le remets dans l'autre sens. C'est pas mieux. Non, non, il doit y avoir autre chose. C'est peut-être pas dans ce sens qu'il faut. Oups. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça va qu'il n'y ait pas un trou parce que je lui dis de sauter, mais bon, elle l'a pas fait. Oula, le dézoom, oulala, ça sent pas bon ça. Non, il n'y a pas un ennemi? Moi oh, j'aurais cru. C'est une impasse. Ok. Là, je vois que c'est fragilisé, donc là, à mon avis, au moment où je vais y aller, ça va se casser la gueule. On est sorti sans trop de dégâts. Il nous reste combien de trousses de soins? 4. Grande 4 aussi. Et 8 cartouches de fusil à pompe. Ok. Oh, c'est trop tôt là pour se soigner, c'est trop tôt. Faut au moins que la moitié de la santé soit bouffée, hein, sinon. Ça serait gaspillé sinon. Ah ouais. Ah, faut tirer, faut pas pousser. Ok. Non. Non. Je pense pas qu'on puisse tirer en arrière, non, on peut pas. Ouais, faut que je me mette sur le côté et que je le pousse. Voilà. Je vais quand même regarder un petit coup d'œil rapide, histoire de voir s'il n'y a pas une autre paroi qu'on pourrait dégager, qui pourrait éventuellement dévoiler un passage. Non, 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 il n'y a que cette sortie possible.
Oula, 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 oula. Oh putain. Oh. Attends une petite seconde. Alors, on tient un petit coup de flotte. Hein. Alors, on en est. Y a un trou là. Est-ce qu'il y a un passage ou c'est juste. Non. C'est juste pour faire chier. Ok. Non mais sérieux. Je sais pas si c'est volontaire, mais hein, c'est vite lourd la langue. C'est bon, on a compris qu'elle a des gros lolos, ça on a compris. Ah, trousse de soins. Ah, ça je dis pas non. Ok. J'aurais pas dû descendre, quel con! Ah, c'est con, c'est très con là. Parce que là, ça va m'obliger à redescendre et je vais prendre des dégâts encore. Grosse erreur. Cette fois, on enclenche le truc avant de descendre. Ah, c'est juste un mécanisme. Il en manque un. Ça, on connaît déjà. Là, on n'y est pas encore allé. J'espère que ça va quand même aller. Est-ce qu'il y a des méchantes bébêtes? Ça se pousse ça ou pas? Non, on dirait que non. On peut juste monter dessus. T'es sûr qu'on peut pas le pousser? Ou le tirer, ou n'importe quoi? Non, on peut pas. Et elle cherche même pas à gripper le truc. Ah, il y en a un deuxième là. Ouais, faut pousser celui de gauche maintenant. Et hop là. Ça va encore tomber. Oh non, ça va encore se casser la gueule. Non, ça va.
Ah, mais il y a trois serrures. Ah ouais. Il y a trois serrures. Ouf. Ouh, ça a piqué là. Bah, du coup, ce bloc, alors c'est quoi? C'est un troll ou c'est. Ce que je fais, ça sert strictement à rien. Non, mais ça doit être rien. C'est sûrement, c'est rien. C'est pas important, on s'en fout. Ah. Attends. Ah, oui, d'accord. Moi je comprenais plus rien. Ouais non c'est bon c'est bon. J'ai rien dit. Y'a rien à faire, on se tire. Bon, il nous reste toujours le problème avec la première serrure. Avec ce truc de plateforme là. Y'a toujours ce problème. Et je sais pas comment le résoudre. J'avoue que je sais pas du tout comment le résoudre. Que là je l'enclenche l'interrupteur, la plateforme elle se met là, si je la désactive elle se met dans l'angle. Donc dans les deux cas ça me va pas. Dans les deux cas ça me va pas. Ça me convient pas dans les deux cas. Il faudrait qu'il y ait une autre plateforme là, mais là je vois pas trop ce que je peux faire. À moins qu'il y ait un interrupteur que je n'ai pas vu, ce qui est possible. Et là, j'avoue que je me tâte là. Ouais non, mais là non, il y a pas un truc que j'ai pas vu là, c'est juste que... Ouais. Je vois pas comment je vais pouvoir copier ça moi. Ah! Il n'y a pas besoin de s'en occuper pour l'instant. Ouais, j'avoue que j'ai pas pensé à regarder ici. Ça va peut-être changer la donne. Attendez, deux petites secondes. Je vais faire un petit réglage. Je vais voir si je peux pas essayer de l'afficher dans un plus grand écran. Ouais non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que là ça va toucher la barre des tâches. Et non, ça va foutre la merde. Ok. Juste pour deux petites secondes. Je règle encore, voilà. Non, je fais de la merde. Je fais de la merde. Oh putain, j'aurais pas dû toucher la config. Tant plus, j'ai passé du temps à bien configurer là le. Putain, je m'étais fait chier en plus là à le mettre correctement. Voilà, ça a l'air d'être à peu près bon. Ça a l'air bon à peu près. Non, c'est bon, allez, on arrête de toucher. Voilà, autant pour... excusez-moi. Pardon pour le petit contretemps. J'en étais où moi?
Même plus où j'en étais, putain. Ça fait rien. Comment ça se fait que je réapparaissais là d'ailleurs? Chelou ça. Ah du coup avec l'histoire de la taille de l'écran, j'ai pas suivi là. Mais il faudra que je règle pour pouvoir l'afficher en plus gros écran le truc parce que ça me plaît pas. Si je peux prendre plus l'écran, un peu plus. Ouais mais après non ce sera plus du 4 tiers, ce sera en mode 16 neuvième. Ouais Marco, je peux le mettre en 16 neuvième aussi. Parce que là j'ai au moins 30% de l'écran qui ne sert à rien. C'est un peu con. Si je pouvais au moins l'afficher en plein écran, j'avoue que ce serait quand même mieux. Mais ça sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Y a pas de mécanisme, y a que dalle. Ça sert à quoi de venir là? Ça sert à rien en fait. C'est pas clair leur truc là. C'est pas clair du tout. Hein. Je comprends pas trop là. Oh mais quelle conne, putain. Mais quelle conne, putain. Putain, ça va obliger à tout refaire. Je savais que j'aurais pas dû prendre ce checkpoint, putain, je le savais. Ah, elle me gonfle des fois, putain. Non mais... Tu demandes de faire un tout petit pas en avant, de sauter de la plateforme, putain, elle te fait un bond de 3 km, cette conne. Oh putain, ce qui est chiante. Et Recrux. Mais quelle conne. Bah du coup, il faut que je réactive l'autre truc. Hein. Je pense qu'il faut que je le mette au milieu de la pièce. Comme ça, j'ai assez pour prendre de l'élan. Et normalement, je devrais pouvoir atteindre... Marc, j'ai un doute quand même. J'ai un doute. Je sais pas si c'est vraiment ça. Parce que encore, passer de là à là, ça a l'air possible. Mais de là à là-bas, sans se vautrer dans les pics, j'ai un sérieux doute. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Faut peut-être simplement monter sur la plateforme depuis la droite et puis monter là. Du coup, j'aurais peut-être pas dû toucher la plateforme. Je devrais la laisser telle qu'elle. Si seulement elle pouvait monter dessus directement, ça simplifierait les choses. Attends, j'ai bien activé mon micro là parce que. Ouais, non, ça a l'air d'aller. D'ailleurs, vu que je t'ai coupé, j'avais peur de pas l'avoir bien réactivé. Et hop là! Celui-là, je devrais pas prendre trop de temps à le finir, quand même, parce que bon, je pense pas qu'il est très long. Hein. Mais vu comment je galère, des fois, c'est pas impossible que je prenne plus de temps, quand même. Ouh. Elle a aimé se manger le mur.
Attends. Non, c'est de ce côté. C'est ce côté. Ah ouais, du coup, de l'autre côté, il y a, ouais, il y a la plate, il y a le, l'interrupteur qui débloque l'autre serrure. Ok. C'est bon. Alors, j'imagine que c'est depuis là qu'il faut aller. Et hop là. Là, ça va m'obliger à tout réactiver, les serrures. Putain, ça va m'obliger à faire deux fois le tour. Ah, ils sont sérieux? Ah, là, je l'atteins pas. C'est trop loin. C'est trop loin. Il faut que j'active la manivelle, enfin le levier, que je me retape tout le voyage. Il va falloir... Eh ben non, je peux pas. Eh ben non, je peux pas. Vu qu'il y a plus la plateforme là pour monter. Et je fais comment alors? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ah ouais, j'y accède depuis là. Mais putain, arrête de zoomer sur les nibards, putain. Non mais c'est chiant là, loin. C'est casse-couille, putain. Ils sont lourds avec ça. Hein. Bon, je vais faire une pause, je reviens dans un quart d'heure. Alors là, c'est là que ça va être délicat, ça va être de pas se vautrer dans les pics. Parce qu'alors là, je meurs, faut tout refaire. Ça va être juste magnifique. J'ai pas envie de tout refaire. Oh, y a un monsieur qui a passé un très mauvais moment là. Bonjour monsieur. Madame. À savoir. C'est peut-être une madame. Voilà. Allez, il va falloir se rep... Oh putain, encore des raptors? Non mais sérieux? Ils ont pas l'air de venir de là, donc ça doit être ouais. Là où il y avait les serrures sûrement. Je suis comment niveau santé là? Ah mais je suis bête, oui, il faut dégainer les armes. Pff. Ça va. Par contre ce qui m'emmerde c'est qu'il faut que je refasse toutes les autres. Tous les autres trucs là, putain. Ah, si j'avais su le checkpoint, je l'aurais pris en dernier. Si j'avais su. Ah, mais il n'y avait que. Ouais, il n'y avait qu'un. Ok. Se retaper le levier. Attends, y a pas un objet à ramasser là? Je crois pas. Pour me vérifier au cas où quand même. Même derrière la statue, y a rien. Non, c'est bon. Alors, on va pouvoir aller sur le petit troll là. Voilà. Fais-toi mal.
Tu m'as appelé? On refait les trucs qu'on a fait il y a à peine 5 minutes. Juste avant de crever comme une crotte. Ah, c'est pareil, en ce jeu, tu fais un mauvais saut, tu le payes. On se croirait presque dans Skyrim ou dans Fallout. Tu fais une mauvaise chute. Terminé. Ah putain, je pensais qu'elle allait. Qu'il n'y avait pas besoin de s'accrocher. Bon. J'ai pas pensé à regarder c'est quoi le planning là. Attends, je prends juste une petite seconde pour regarder le planning. Je sais même plus ce que j'ai mis sur le planning. C'est fort ça. Je fais mes propres plannings, mais je sais même pas ce que je fous. Putain, je suis un bon. Darksiders, Ni no Kuni, Ark. Ah oui. Ouais. Ouais, peut-être qu'on continuera Darksiders. Ni no Kuni, ouais, pourquoi pas aussi, mais. Ark, moi j'ai pas la tête à ça pour l'instant. Je préfère m'occuper des jeux que je peux finir rapidement. Ark, c'est pas la peine. Quoique, remarque, un petit jeu de survie quand même, bon. Moi je dis jamais non, hein. Petit jeu de survie. Hein. Mais bon, comme Ark, en tout j'ai fait une vingtaine de streams, je dis bon, on va peut-être privilégier plutôt des jeux qui en ont eu moins. Ouais, on se laisse tomber. On se laisse tomber. Et pixels en plus. Oh, ça encore, ça me dérange même pas, tu vois. Mais ouais. Ouais, quand t'as les textures qui bougent là pendant que tu essaies de corriger ton saut, enfin de bien gérer ton saut et tout, c'est vrai que c'est pas évident. Mais il faudrait que je vois si. Enfin, j'ai pas envie de chercher pendant 3 jours non plus, voir s'il n'y a pas des shaders qui pourraient plus mettre en valeur les jeux quand même. Parce que là j'ai pris le mode Skylines, mais je les vois pas trop là sur les jeux PS1 là, les Skylines là je les vois pas. Alors que sur un jeu Super NES Mega Drive, ouais si on voit un peu, ouais. Mais c'est léger. Hein. Alors, je sais pas si je fais une safe state là parce que là, en fait, là juste devant la case qui est tombée, en fait, bah, y a des pics en dessous. J'ai pas spécialement envie de tomber dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Bon. Eh ben on est reparti. Je savais que j'aurais dû faire une safe state. Putain. Bon, allez, on va commencer par celui-là. Du coup, on va commencer par lui. Comme ça, si on crève, au moins, ben, on sera pas tapé tout le reste. Oh putain, je le savais. Ah, je veux jouer en mode légitime, mais ouais, ça me casse trop les couilles, ça va être vite fait. Hein. Ça va être safe state et rien à foutre. Hein.
il va falloir avancer. J'aurais dû plus m'approcher du bord. C'est ça qui m'a perdu. C'est ça qui m'a mené à ma perte. Parce qu'en plus le plafond est très bas. Donc là je peux pas faire un grand saut parce qu'au final je me mange le plafond et du coup bah, je descends plus vite. C'est ce qui m'a perdu. Cette fois on s'approche bien du bord. Voilà. Et là en plus c'est juste, donc là c'est vraiment que c'est fait pour. Quoique j'aurais peut-être pu faire un long saut peut-être. Remarque, attends, il doit y avoir. Ouais non, j'ai gâché un doute. Je pense pas que ça aurait marché. Je pense pas. Allez, on va s'occuper du plus casse-couille. Entre le plus dangereux, le plus long, et l'autre c'est... ça va, entre les deux. C'est... Non, c'est même pas entre les deux, c'est que ça va. C'est tranquille. Ce sont juste des loups, hein, franchement. Ça va. Justement, non, faut pas que je le touche. J'étais con, hein, j'aurais pas dû toucher le levier. Faut pas le toucher là, pour l'instant. Ah, mais c'est une porte. Eh oui, tout à l'heure on était passé là. Et là c'est obstrué, donc ouais, c'est un levier qui doit contrôler cette porte. Hop là. Le plus drôle, ça va être le jour où je ferai. Alors qu'est-ce qu'il y a comme jeu chien à faire? Ouh là, j'aurais vraiment pas le choix de prendre des save states. Ghost and Goblins, ça c'est sûr à 100%. Ghost and Goblins, ça c'est clair à 100%. La version Mega Drive, même la version Super Ghost and Goblins sur Super NES, ça c'est obligé. C'est obligé, sinon t'avances pas. Peut-être Sonic 2 aussi, Sonic 2 pour les niveaux bonus. À mon avis, il y a des chances. Parce que ça, je suis sûr de ne pas maîtriser. Sonic 2, il est dur. Il est quand même dur. Comparé au 1, au 3 et Sonic et Knuckles, qui sont vraiment pépères à comparer. En comparaison, c'est pépère. Mais Sonic 2, c'est une purge. Je trouve que c'est le plus dur de tous les Sonic. Après, j'ai pas fait Sonic KO, Sonic Chaos et Sonic CD. Je les ai pas fait ceux-là. Ils doivent pas être faciles non plus. Vas-y, prends des dégâts, je te dirai rien. Voilà, maintenant c'est ouvert. Hop, on active ça. C'était sympa le petit live sur Subnautica. C'était sympa. Et putain, mais toi, je vais t'en foutre une, ça va pas tarder là. Je vais te foutre dans les pics là, ça vient de te. Commence à me gonfler elle. Putain, mais c'est dingue ça. Elle peut pas faire juste une petite avancée de 30 cm. Non, non, c'est. Vas-y, je te fais un grand pas chassé là. Putain, mais c'est dingue ça. Ah, Subnautica, ouais, ça m'a bien détendu. Putain, c'est fou ce que ça détend ce jeu, quoi. Puis au moins, c'est pas comme No Man's Sky où t'as la console qui commence à cracher du sang, quoi. Putain, j'ai peur qu'elle se fasse mal, cette conne.
Elle aime se prendre de gros pics. Ah, mais ça, je me doute, ouais. Ça, je me doute qu'elle aime ça, hein, parce que. J'avais peur qu'elle se liche. Attendez, je reviens. Ah, désolé pour le petit contretemps. Ah, putain. Ici on est comme chez... Oh putain! Oh putain, j'avais complètement zappé les pics. Putain, heureusement que je les ai pas pris. Putain. Maintenant, il nous manque celui du milieu, je crois. Le plus simple. L'attaque des papouches.
qu'est-ce que ça fait? Hop, la petite route de soins qui va bien. Il me reste combien déjà? Ça va. Je dois peut-être en prendre une autre. Ça rend cas qu'il y ait des bestioles encore. À moins qu'il y ait un checkpoint. Ça va faire léger 4. Ouais. Après, j'ai toujours les grosses trousses de soins aussi, hein. J'en ai 4 aussi. Il me reste encore les 4 grosses. D'autres trousses de soins, là, en version XXL. Donc là, ça devrait aller. Là, c'est vraiment juste les petites trousses de soins. Alors, le rocher est passé là. Là, c'est ouvert, donc là, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là. J'espère que je vais pas le regretter. Oh putain. Putain, je m'attendais tellement à me faire prendre un piège dans la tronche. Je m'y attendais trop. Ouh, ça a l'air d'être par là. Ça a l'air d'être par ici. Un petit checkpoint. Ouais, il me reste encore 4 légères, 4 grosses, et il me reste encore 8 cartouches encore. Le fusil à pompe, de toute façon, je l'ai pas encore utilisé. Alors. Je le garde pour l'instant, parce que là, je vais pas le gaspiller. Ah, mais c'est toujours fermé, là. Ok. Ah oui! Ok! Y a rien à ramasser là? Tant que je suis là. Ok. Ah, celle-là, elle bouge pas? Peut-être qu'elles sont censées bouger contre pour l'artefact. Oh, mais je veux pas y aller là. Je peux pas monter. Ah ouais, là par contre. À moins qu'il y ait moyen de pas d'ouvrir la porte. Ah, elle s'ouvre, d'accord. Comme ça, faut le deviner. Hein. Putain. T'oses pas approcher, tu vas attendre pendant des plombes. Hein. Par où il faut sortir? Pas par là parce qu'il y a le rocher qui gêne. Ah non, il gêne pas.
Oula. Il y en a un qui m'attend là. Ouais, prends une trousse de soins là parce que là. Allez, monte vite là. Fais-lui sa fête à ce connard. Oh merde! Attends, j'appuie sur select, connard! Non, mais j'avais appuyé, mais bon, c'est pas grave. Ah, si vous y, je vais répondre 3 heures après aussi. Toi, tu vas prendre un coup de pompe là. Ça va te calmer. Hein. Ça va te calmer mon coco. Voilà. Oh, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, je croyais qu'il allait se faire péter. Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Allez. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Mais oui. Vous et ce satané morceau de Sion, si vous y tenez tant que ça, je vais vous le coller dans le... Attendez. Vous parlez de l'artefact, là? Un peu, mon neveu. Je vais vous le... Voilà. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Miss Natla a mis Pierre Dupont sur l'affaire. À quel endroit? Ha! Vous n'êtes pas assez rapide pour lui. Donc, je perds du temps à discuter avec vous ici. Moi, je ne sais pas du tout où il court, avec ses petites pattes de pied tendre. Allez demander à Miss Natla. Merci. Je vais. L'eau à 0,5 FPS. Ouais, j'avoue. Allez, encore un secret. Aucun secret qu'on a trouvé. Cool. Non, mais ça, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Ah, là, on n'est plus dans un temple perdu, là. Bon, enfin là, si elle veut vraiment être efficace, ce serait plutôt avec le Dark, elle aurait plutôt. Ce serait plutôt à la pointe de la flamme. Là. C'est bon, ça a l'air plus rapide. Oula.
Attends, c'est des lions? Merde, du coup, j'ai même pas écouté où c'est qu'elle est partie. J'imagine que le pompe, on n'a plus rien, plus rien. Ouais, j'aurais dû m'en douter. C'est con là, là. J'espère que je vais pas le regretter. Non, monte pas. Voilà. Ok, et si je le mets dans l'autre sens, ça fait quoi? Ça fait absolument rien. Ok. On regarde un peu vite fait ce qu'il y a autour. Et re le m'amène. Monte pas. Voilà, tu pousses. Est-ce que le truc est toujours ouvert là? De toute façon, oui, il est bien placé là. Oh oh! Putain, maintenant c'est la planète des singes maintenant. Après Jurassic Park, c'est la planète des singes. Qu'est-ce que ça cache? Okay. On va activer ça là, on va voir ce que ça fait. J'adore quand cette... Oula. Il y a un truc là. Il y a un Ouistiti là. Couchez le Ouistiti. Solo triangle. Solo triangle. Ah c'est bon, je l'ai bien accordé depuis hier, là c'est bon. Ça marche nickel. Non mais je t'avais dit. Ouais. Toujours raison. Ça va? Oh non, c'est juste qu'on est emmerdé par le voisin là. Le voisin qui est arrivé il y a pas longtemps là. Il a encore fait chier encore vendredi là, avec sa musique de merde là. Jusqu'à minuit quoi, on a appelé les flics qui sont arrivés je sais pas combien d'heures après. Il verbalise même pas, je... Oh, ça me casse-couille. C'est chiant ça. Putain, s'il faisait un minimum leur boulot là... Putain, je te garantis qu'il arrêterait de faire la fête, ce con là. Ils étaient encore, je sais pas combien encore. Toi. Mais saute. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'elle attend pour sauter là?
Enfin. Mais défonce-lui la gueule. Oh, mais ça t'attendrait qu'à moi. Ça serait que moi. Un coup de pelle et enterré dans le jardin, on n'en parle plus. Dommage qu'on soit pas voisin, ça aurait été vite plié. Donne-moi son adresse, je lui pète la gueule, j'en ai besoin. Je crois qu'il est parti. Hein. Il est parti, le monsieur là. J'entends plus tirer. Un abreuvoir en plastique et de l'acide. Zéro trace. Ah oui, acide sulfurique. C'est pas du tout suspect quoi. Ouais, c'est bon, on va se faire tracer par la DGSI et puis c'est bon. Ah, mais c'est sur le bloc, il faut aller, oui. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser sur les... Ah, là, il y a une grosse trousse de soins, là. Ça, on va pas dire non. Sauf si elle se chie. Alors là, par contre, si elle se chie, on peut dire non. Le mec a super être avec ça comme bidon. Non, je suis pas. Non, non, mais c'est pour faire une expérience. Hein. Non, non, je suis pas du tout suspect. Hein. Voilà. Le mec qui fait la rupture sur les bidons de. Sur les bidons d'acide. Mais attendez, mais c'est ce qu'on commande à l'année, ça? Vous allez tout prendre d'un coup là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez débarrasser d'un corps ou quoi? Mais non, mais non. Mais non. C'est juste pour enlever la saleté sur mes joints. J'aime bien avoir le carrelage tout propre, c'est tout. Bon, de rien, elle m'amène. Tu sais. C'est rien. Ah, par contre, là, je vais être clair, il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'on me dise tout le temps merci. Ça, c'est un truc que je. Je ne supporte pas. Déjà, rien que ma copine, je l'encule des fois quand elle me dit merci. Je dis non, mais ça, c'est bon là. Crux, putain. Ça sent le ban là. Je vais le marquer sur les règles. Merci de ne pas me dire merci. Oh, trop court! Attends, j'ai plus rien! Ma barre est vide! Je suis encore vivant! Putain, ça c'est la classe! Ça c'est la classe! Mais toi-même, tu dirais merci dans la règle, ouais. Ouais, mais bon. Merci de ne pas me dire merci. Oh.
Oh putain. Et c'est toujours presque comique quand elle arrive par t'es, il manque ça, manque de... Oh non, mais c'est pas vrai, putain. Le plus drôle, c'est quand t'as fait ça et qu'elle fait une mauvaise chute. Et que ça la tue, que t'entends. T'entends un gros bruit sourire, en fait. Et c'est bon, elle est morte. Putain. Oh putain, elle me fait chier. Elle commence à m'emmerder, elle. Le saut d'un récurrent qui se loupe. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tous les coups, faut peut-être le faire tomber, ça. Ou attends, peut-être que c'est par là qu'il faut prendre. Parce qu'on dirait qu'il y a de la, il y a de la plateforme là en face. Ça rigole bien ici. Coucou Luciole, ouais, ça rigole bien. On rigole bien avec Tata Lara là qui fait de la merde. Non, elle va tomber. Oh putain, mais elle est tombée, putain, mais. Conne. Ah putain. Mais bordel. Qu'est-ce que je fais là? Je pète le bureau, c'est je pète la manette, remarque la manette c'est quand même mieux parce que bon, le bureau. Merde, c'est quoi après? Si tout tombe. Or que la mettre, c'est pas grave. Chris qui se part comme un bossu à l'arrière. Ah mais je m'en doute, ouais. Ça je me doute. Je me doute. C'est pas bien de rire du malheur des autres, c'est pas bien. Vas-y, là, tu peux le faire. Mais non, putain, mais elle est trop plus de conne. Attends, on va se retrouver à court de trousse de soins avant la fin du niveau. Je m'y attends trop. Ouais, c'est épique, surtout quand je me chie à chaque fois là. Et c'est souvent. Marc, non, c'est pas un long saut qu'il faut faire, c'est un petit saut là. Hop là. C'est pareil qu'on va finir sous oxygène. Ah, ce qu'il faudrait que je trouve, ce serait un logiciel pour modifier la voix. Genre, je mettrais la voix sous hélium. Oh putain, là, y a moyen de se marrer là. Je pense. Putain, un mec qui rage sous hélium, ça doit être drôle quand même aussi. Le mec est tellement énervé, mais il a tellement une voix con que c'est difficile de pas rigoler. Ah oh oui, c'est bien, c'est bien. T'as réussi à monter, c'est très bien. Oh putain. Tu le sens, piège à con là? Oh là, ouais, ça sent tellement le piège à con là. Oh putain! Ah ouais, mais là je peux pas tirer là! Oh bordel!
Mais monte vite, espèce de conne! Je sais pas ce que ça fait. C'est pas grave. Non mais là, elle va se faire bouffer là. Ah mais non, c'est bon, il y a plus d'eau là. Ah, il y a plus d'eau. Bon, il est mort, c'est déjà ça. Mon jeu aurait pu se... Enfin, je finirais à 9h. Vu que j'avais commencé, il était vers 7h, 7h30. Attends, ça fait combien de temps? Il est 9... 8h20. Ça fait une heure tous apparemment que j'ai commencé. Ouais. Vers 9h, j'arrêterai. Oh putain! Oh, mais ils veulent ma mort, ce jeu. Le jeu, il veut ma mort. Non, mais c'est quoi ce... Putain, on dirait le temple de l'eau dans Ocarina of Time, mais sans eau. Je sais pas combien d'étages. Le tir dans ce jeu, les débuts de la musique hardcore. Musique hardcore avec le triangle. J'y vais et penser aussi. Mince, j'ai pas compris. Oh, chauve-souris. Enfin, plus souris que chauve-souris. Ah, j'y pensais aussi. Ah oui. Neptune. Ok. C'est bien. Ah mais il reste encore des chauves-souris. C'est quoi ces conneries? Oh là là. Pff. Oh bordel. Ah ouais non mais c'est le temple de l'eau d'Ocarina of Time, mais sans flotte quoi. Oh là là. Oh putain. Tire au corps. Ah, il y a une porte qui s'appelle Thor. Ah, trop. Trop. Où c'est qu'elle est la porte Thor? C'est plus bas parce que de toute façon là c'est Neptune en haut donc il va falloir Vous entendez ce son? C'est la marque des professionnels. Les amis, c'est le bruitage. Oh, ça va. Vous pouvez m'assurer que ça fait pas ce bruit, chauve-souris qui vole. David Goudenov.
Ah, encore un checkpoint. Ouais, on va peut-être se calmer un peu avec les checkpoints. Ah, c'est la porte de Thor, ça. Ah non, c'est Atlas. Putain, je sais même pas lire quoi. En même temps, là je vois rien du tout. Dit Jean Raymond. Dit Jean Raymond, en tournée en toute la France. Retrouvez-le dans les locaux de du Malibu Anana. En plus, dégustation de sangria. Jean Raymond est dans la place. Rastafari. Oh putain, je reconnais ce con. Les pauvres gens là, qui viennent juste découvrir ma chaîne, quoi. Putain, les pauvres. Ils doivent se dire, putain, mais c'est qui celui-là? Oh là là, ouh, je sens qu'on va passer un bon moment là dans cette salle. Je sais pas pourquoi. Je le sens super bien là. T'as eu envie de couche le truc. Ouais, au cas où qu'elle soit pas assez morte. Hein. Elle me tue. Elle me tue. Putain. C'était la salle de Thor, c'est pour ça, les éclairs. Je suppose. Putain, j'aurais mon computer pour jouer. On lui avait dit, putain, prends une aligne plus puissante là. Son truc il tire trop là. Il tire trop sur la rallonge. Il a failli foutre le feu ce con là. Fatigue, fatigue. La salle de tortue. Attention, on est attaqué par des babouches volantes. Elles sont où les babouches volantes? Ouais, elles sont encore loin.
Oh là là. Le no-skill à l'état pur. Tu fumes avant tes lives? Non, non. Je fume pas tout court donc. Oh, qu'on m'a serré les dents là quand t'es tiré. Ah, putain, tu vas crever, espèce de saloperie! Ah non, je fume pas. Je suis con naturellement. C'est. C'est pas pareil. Ah, ça valait le coup! Ah, ça valait le coup! Oh putain! Des 10 sur 10! T'as alors pu faire une petite figure avant de crever! Un doliprane à la fin là parce que là, force de rigoler comme un con là, file la migraine. Attention les babouches. Peut-être pas atterrir ça, j'ai réussi. Au bout d'un moment, faut bien atterrir. Faut bien atterrir quand même. J'avoue que tu rigoles pas autant quand même sur Subnautica quand même. Mais des fois, y a de quoi bien rigoler quand même, mais pas autant. Eh ben genre chial. Bon là je préfère rien dire parce que... Non, trop pas. Ah non, ça va. Lui qui aime bien les jeux de plateforme, on devrait recommander à Aero de... De faire des émulateurs. Faudrait jouer à ça. Moi je sais pas ce qu'elle a comme ordi, mais c'est là qui claque l'ordi. Il se met à fumer, pouf. Mais on voit qu'il y a un truc là. Avec son orientation, il met 4 mois à passer. Formidable. Ouais, non, ça va. Le premier. Ah, tu parles de ça, oui, remarque. Ouais, parce que le premier niveau, ça va, ça passe vite. Aero, il a pas de PC. Ah, mais j'ai. Ah, j'ai cru. Ah mince. Ah, j'avais cru le contraire. Mince, du coup, ça marche pas. Oh, c'est cool. Ah, mais un PC portable, ça suffit. Le truc. Ah, bah il marche plus. Je sais pas ce qui est passé. D'un coup, il a fumé. Pouf. Je pense que ce serait le mieux. Parce que bon, il y en a qui arrêtent pas de lui dire ouais, prends la PS5, parce que avec la PS4, apparemment, elle a des petits soucis, mais.
Oh, si c'est comme la PS4, la PS5, elle ça vaut pas le coup. Hein. Cela maintenant, la PS4, tout le monde croyait que c'était une bonne console au final. C'est Damoclès, ça, c'est pas tort, ça. Le PC avec Windows 3.1 de 1989. Ah, j'ai pas connu ça. J'ai connu qu'à partir de. Ouais, 95. Et encore, c'était à l'école. On n'avait pas d'ordi, comme ça, c'était vite fait. Hein. Mais le Windows 95, avec le truc quand tu mettais. Quand tu faisais arrêter, tu sais que t'avais le message en orange qui a marqué vous pouvez éteindre l'ordinateur en toute sécurité. Ah ouais, ah ouais j'ai pas connu ça. Et puis le petit jingle là qui était quand même sympa. Il était sympa le jingle. Oula. Ouh putain. Elle m'a fait peur Je sens qu'on va pas passer le niveau. Je pense pas, parce que là, je suis pas concentré. En plus, là, je fais de la merde donc. C'est pas la peine, je sais même pas où il faut aller. Ah, Damoclès c'était plus haut, je crois, donc de toute façon il va falloir remonter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quoi ça? Neptune. Oh putain, Neptune, c'est tout en haut. Il va me faire aller tout en haut là. Génial. Ah, c'est super. Ah non, Damoclès c'est là. Oh, bah, on va faire Damoclès, ça va avoir. Ouais, jeux PC, j'en ai. Quand j'étais gamin, j'en ai pas fait énormément. Ça a été surtout les trucs éducatifs, genre à tout clic, les trucs comme ça. Avec l'école, justement, on avait ça. Mais sinon, vraiment, des vrais jeux. Bon, en fait, je crois que j'en ai connu qu'un. Bon, après, on avait XP. Hein. Donc, bon. Enfin, bien plus tard, quand même, bien plus tard. C'était. Ah non, non, pas à Dibou, quand même. Pas à Dibou. Ouais, non, ça je connaissais quelqu'un qui l'avait, mais non, non, ça non. J'ai pas touché ça quand même. Par contre, ouais, on avait des petits jeux rigolos. C'était avec le comité d'entreprise de là où travaillait mon père. Avec petit Louis. Vu qu'il faisait les petits fromages dans une usine. Et puis oui, ils ont fait des mini-jeux, on va dire, en CD-ROM. Ça, j'avais connu aussi. Qui était sympa, hein. C'était pas. Ça cassait pas des briques, mais bon. Pour l'époque, hein. Franchement. Hein. Pac-Man. Ah, Pac-Man, non, j'ai jamais joué à Pac-Man. J'y ai jamais joué. Mais ouais, le seul jeu que j'ai. Putain! C'était quoi ça? Moi, j'ai pas vu venir celui-là. Ouais, le seul jeu que j'ai connu, c'était. Bon, il est pas connu, hein. Mais il est en Abandonware. Il existe en Abandonware. C'est Dracula. Le guerrier des Carpates. On l'avait eu gratuitement. À l'époque, on l'avait eu gratuitement. Parce qu'on avait pris le CD-ROM. Je crois que c'était Larousse, le dictionnaire Larousse en CD-ROM de. Pardon, j'ai plus de voix. De 1998. Et on a vu le jeu Dracula en cadeau. Et c'est là que j'ai connu les jeux stratégiques. J'ai beaucoup aimé ce jeu.
et à l'époque j'ai jamais pu le finir. Il y avait tout le temps des plantages, ça plantait dans tous les sens. Je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Parce que j'avais déjà, il y a quelques années, j'avais essayé de le refaire et de le finir. Mais c'est pareil, à chaque fois, à la fin, ça plantait. Peut-être parce que j'avais peut-être trop d'unités. Peut-être pour ça que ça plantait, j'en sais rien. Mais ouais, il y a pas longtemps que je l'ai fini. 20 ans après, quand même. Là, j'étais content. Je me dis, putain, pas trop tôt. Ah ouais, mais c'était ça, Amstrad, non, c'était pas ça. Un truc où tu pouvais faire tes propres jeux, c'est ça? À partir du moment où tu entrais les lignes de code, tout ça, c'est... Enfin, je sais pas si c'est exactement ça. Je sais que Grony, il en avait parlé. Et qu'il y avait même une émission, je crois. Où tu codais tes jeux. Où on t'apprenait les lignes de codage. C'est dommage que ça se fasse plus, ça. Surtout quand t'as un problème sur ton ordi, t'es toujours en train de te faire chier à regarder sur internet. Alors qu'il pourrait tout simplement faire une émission où il te fait des astuces et puis voilà. Ou nous faire regarder de la merde là, genre les anges et les marseillais là. Ce serait toujours plus intéressant, hein. Ah, donc c'était bien ça, ouais, l'Amstrad. Bah donc les ordinateurs, on n'a pas connu du tout. Au revoir. Ah putain, je fais de la merde. Je fais de la merde. Je sens que je vais galérer pour faire ce niveau. Je vais galérer. Genre Batman Return sur Amstrad, au début tu avais un livre, après ils ont sorti les cassettes déjà codées. J'imagine bien l'époque à me dire « Ah, trop bien, j'ai un jeu Batman !»« Ouais, mais tu veux un jeu Batman? Bah tu le codes !»« Fais pas chier !» Putain. Président, oh. Faut avoir au moins le brevet pour être président. Ouais. Remarque, un bon fromage. Marc, c'est comme... Tu es sûr? Ah non, je sais pas, je me doute, je sais pas. C'est un bon fromage. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le fromage, c'est comme le mec, en fait. Ben, au début, t'en veux, mais après, t'en veux plus tellement il pue, quoi. Ouais. Encore des babouches. Putain, cette tête. J'emmerde la nature. Alors du coup, Lara, qu'est-ce que vous faites dans ce monastère Je sais même pas où on est. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh bah... Bon, j'ai récupéré l'autre jour, j'ai récupéré un petit bibelot pour ma table de nuit, maintenant... Ah, je sais pas, une petite table de monastère, pourquoi pas...
en bois brut, hein. Pourquoi pas? Non, faut que je descende, faut pas que je monte. Il faut que je descende. Attention. Ah, ce jeu. Ah, si t'as envie de passer un bon moment, c'est à ça qu'il faut jouer. Hein. Ça se sent que j'en ai un peu marre? Sais pas si ça se sent, mais j'en ai marre. Greta va se pointer avec Brigitte Bardot, tu vas pas me faire le fier. Faut que je descende. Tada! Putain, comme elle a frôlé le plafond là. Elle se fait à moitié scalper, quoi. Et franchement, ça donne trop envie de la voter, elle, présidente. Non, mais franchement, c'est hyper classe quand même, un président avec deux flingues à chaque main, quoi. Ouais, votez pour moi, putain. Oh, la conne. Ah, d'un coup, ça donne moins envie de voter pour elle. Oh, c'est épique. Oh, c'est épique. Putain. Oui, parce que quand t'es assez flingue, elle peut pas s'accrocher. Il dit, putain, j'ai les doigts collés. J'ai les doigts collés. Attends. Cette scène me dit quelque chose. Il y a un air déjà vu là. Oh putain. Mais où est la chauve-souris? Ah, elle est dessous la chauve-souris. Ah non, elle est dessus. Merde. Ah, j'ai rien dit. Je crois qu'elle était dessous. En fait, c'était juste son ombre en fait qui était. Ouais. Ok. Oh putain. Eh ben. J'irai pas au lit trop tard ce soir. Hein. Ah, ça m'a bien fatigué là. J'espère qu'un de ces jours je suis quand même réussi à le finir quand même. Où c'est qu'elle est cette porte de Thor? Non, ça c'est Atlas. Ça doit être à l'étage du dessous. Ouais, je crois que c'est là. Attends, il n'y avait pas un mécanisme à activer là, sur cet étage?
On dirait que non. Ah si. Si, si, il y en a un. J'avais pas vu. Toshiba. Ouh! Marc, est-ce que je prends le point de sauvegarde ou pas? Il aurait peut-être mieux. Ça serait peut-être mieux. C'est ça que je fais des save states donc. Tant qu'il y a des checkpoints. On va essayer de pas trop tricher quand même. Oui. Oula. Ouh là, ça sent la mauvaise chute là. La mauvaise chute. Et juste au-dessus, hein. Est-ce que je vais me chier? Bien sûr que oui. Il y a de grandes chances. Ah, oh, ben remarque, on va peut-être plutôt faire là. Ça sera peut-être plus sage. Ah. J'ai tellement peur qu'elle se prenne le mur. Je m'y attendais tellement. Allez, on va reprendre le 380. Ah, c'est bon, je suis réveillé. Alors, je sais pas du tout comment fonctionne cette salle. Je sais pas du tout. On va prendre une trousse de soins. Cela, on prend une châtaigne, on est mort. Oh puis merde. Oh ça... La tête. Excellent. Oh excellent. Si je m'attendais à ce que j'allais autant rigoler sur ce jeu, j'aurais pas cru. Alors ça a commencé le jeu par Jurassic Park, après on a continué sur la planète des singes, et là maintenant on se prend des trucs dans la tronche. Oh putain, non mais c'est exceptionnel ce jeu quoi. C'est exceptionnel. Tu le sens le no skill là? Je pense que oui, on le sent là. Je m'attends tellement à ce que tu chies ma cocotte là. Je m'y attends trop là. Attends, peut-être un pas en arrière juste. Ouh! Ah oui! Ah, c'était pas loin hein. Ah, je pense pas que tirer sur la sphère ça change quelque chose. On peut essayer. De toute façon. Allez, on va prendre un peu de pommade avant de prendre le jus. Parce que c'est important. Ah, je comprends pas le truc, hein, ce qu'il faut faire. Si tu passes le plus vite possible, et puis on reste bien dessous. Oh les salauds!
Ça marche pas. Ah bah là ça marche pas là. Dans un temple, le seul truc chelou dans la série, il mange dessus, il attend. Mais oui, mais oui. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Putain, il est gros Mjolnir. Hein. Oh non, c'est pas inévitable parce que si je meurs quoi qu'il arrive, si même si ma pleine santé là, je me fais tuer là. Je me fais tuer instantanément là. Mais monte pas. Pousse le bloc. Voilà. Bon, bon, 3 heures ni encore. Hein. Putain, demande à Link de prêter les brassards d'or ou d'argent là, j'en sais rien, mais. T'irais peut-être un peu plus vite comme ça. Ah ouais, mais là. Là, on va avoir un petit problème là pour le. Il sert à quoi ce bloc du coup là? Il sert à rien en fait. Ah si, ok. C'est au cas où tu te chies, tu tombes et puis là au moins t'as juste à mettre le bloc là pour qu'il tombe et puis. Mais bon. C'est un peu con parce qu'il y a déjà l'autre déjà donc. Ah non. Ah non, il sert pas à ça. Ouh, il y a un secret alors. Ah ben là, c'est baisé maintenant. Là, c'est baisé. Ah, là c'est au seul endroit qu'il fallait pas le mettre. Bon, eh ben tant pis. Là c'est Queenie là. C'est ici qu'il fallait le mettre. Ah. Ah ben non, c'est pas Queenie. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Oh, je suis bête, on peut tirer. N'importe quoi. Mais du coup le marteau, il sert uniquement à faire tomber les blocs. En fait, il y a pas de salle là-bas. Non. Non non, il y a absolument rien. C'était juste pour faire tomber le bloc. Ah, une trousse de soins. Ah, je dis pas non. Hein. Ah ouais, là après le coup de jus là. Ouais, il faut zoomer sur l'endroit le plus important. Hein. La balistique avant tout. C'est une clé magique. Ah mais c'est juste un fond. Ah y a pas de porte dérobée. Non. Oh putain, il va falloir se retaper les éclairs et tout. Non. Ça va mal finir cette histoire. Oui, ça va très mal finir. Allez, un peu de pommade. Voilà. Un peu de crème de jour. Et ça va mieux. Écrit.
Bon, ça va, on s'en est sorti. Faudra que je vois sur internet s'il y a une astuce pour éviter les éclairs, parce que là. Je me dis, il y a des cases quand même, c'est qu'il y a un rapport, je sais pas. J'en sais rien. Oh putain! Voilà, ça sentait tellement loin, de loin là, la mauvaise chute. Y a encore des babouches encore? Non. Le plus casse-couille là, ça. Ouais, Neptune, putain, Neptune, là, il va falloir tout remonter. Et je voudrais au moins faire Damoclès quand même. Au moins faire Damoclès. Même si je vois pas ce qu'il faut faire pour éviter de se faire zigouiller. Là je vois une ombre là, déjà. Ah tu viens le m'amène? Ouais, mais bisous le m'amène. Bonne soirée. De toute façon moi je vais pas tarder à arrêter aussi. Je vais au moins essayer de faire. Ah d'accord. C'est les ombres. D'accord. Oh, c'est aussi simple que ça. D'accord, bon, mais ça va alors. Si c'est vraiment que ça. Ouais, pour l'instant, ils sont pas activés. C'est quand je vais aller de l'autre côté de la salle que là, ça va s'activer. Enfin, si j'y arrive. Parce que là, on dirait qu'elle a pas l'air de vouloir y aller, la madame. Non, je pense pas qu'on puisse passer. À moins que j'escalade peut-être le pilier. Non. Non, ça marche pas. Oh, ça va être marrant ça. Ça va être marrant à passer. Oh oui, ça va être rigolo. Allez, récupère la clé. Qu'on peut monter. Je t'ai monté tout à l'heure, mais je crois que je t'ai monté. Il me semble. Je m'en souviens même plus. Alors là. Ah oui. Je crois que je m'en rappelle. C'est là que ça va être drôle. Voilà. Ça a été très drôle. Et le truc, il était téléguidé, quoi. J'ai vu l'ombre qu'elle se tournait. Genre, elle pointait la lame vers elle. J'ai vu le truc se téléguider, là. Putain. Ah, je sens que j'ai pas fini de rigoler, là. Pour passer ce truc-là. Putain, c'est que le début du jeu quoi. Je sais pas combien y a de niveaux en tout, mais. Putain, je suis sûr qu'on est très loin d'avoir fait le pire. Hein, il y a des balles de mitraillette, je crois que c'est là-bas. Je sais pas si c'est bien prudent de les ramasser. J'ai peur que ça plante. Si je les récupère. Parce que bon, hier ça a planté. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, vas-y, blesse-toi. Tant qu'à faire. Hein. Ah, les joies de la direction. Ça n'a aucun prix. Mais je 3D. Que de plaisir à diriger. Que de plaisir. Si ça se trouve, peut-être qu'il faut que je cours. J'en sais rien.
Ouais, mais là, courir. Encore si c'est aller en face, encore ça va, mais s'il faut tourner. Tourner, non. Non, ça, dans la précipitation, non. Par contre, là, un petit soin. Putain, il va pas rester beaucoup. Ah, je le vois tourner là. Est-ce que ça me blesse si je le touche? À mon avis, oui. Ça pour le contrer. Il y en a une qui est tombée là? Ah ouais, là-bas. Ah, ça l'a pas. Ça l'a pas. Lui, il s'en fout là. Pour l'instant, il s'en fout là, cette épée. Coucou. Ah, coucou. Celle-là activée. Ah. Ouh. Ça s'active pas elle. Bon, on s'en fout. De toute façon, c'est pas là où on veut aller. Et hop là. Ninja. Le temps que elle saute là, elle a le temps de se faire planter là. Ah ouais, non, mais en fait, ouais, juste à courir sans s'arrêter quoi. Bon, on a réussi à le passer. Avec un skill légendaire. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Oh, y a un... Ah non, c'est pas un gorille. Je croyais que c'était un gorille, mais non, c'est un mec avec un flingue. Ou alors c'est un gorille avec un flingue. La paille des singes, le retour. Ouais, non, je pense pas que ce soit un singe. Non! Putain, mais quelle conne! Putain, je l'avais passé cette salle de merde là. Oh, je te déteste. Quelle connasse, putain. Et l'autre, il me tire dessus, quoi, putain. Putain, on l'avait passé, quoi. Oh là là. Putain, c'est trop chiant. Non, ça on l'a fait. C'est Neptune. Neptune, non, c'est pas Neptune, c'est Damoclès. Moi, je peux l'atteindre d'ici. Ça va faire un peu haut là, non? Ah non. Mais putain, mais filme là. Y a un truc là? Ah ouais, ah ouais, non, ça je prends. Hein. Ça, la grande trousse de soins, ouais, non, ça je prends. Ça, c'est sûr que je prends. Ouais, faut pas s'arrêter, je pense, c'est tout. Moi, si j'y arrive pas, j'arrête et puis c'est tout. J'arrêterai pour ce soir.
Le plus dur, c'est là, c'est de commencer ici. C'est le point de départ. Parce que là, direct le point de départ, en fait, faut tourner. Direct, faut tourner, t'as pas aller tout droit. Déjà, là, tu commences mal. Ouais, le point de départ, là, déjà, ça couille. Que je fais une save state. Allez, j'en fais une. Faille crever. Allez. Ouh, elle a passé un mauvais quart d'heure là. Oh putain, j'avais pris mon élan. Bordel. Ah ok. Je me prends une épée dans la tronche, tout va bien. Putain, je vais me retrouver à court de soins, quoi. La fin du jeu, quoi. Ça c'est pas activé. Non, il n'y en a aucun qui s'est activé. Ok. Bah, pourquoi ça s'active pas là? Ah bah quand même. On va faire comme ça, ça marche bien aussi. Enfin, quand ça veut. Et surtout si je me fais pas trucider avant aussi. Mais il est chaud ce jeu quand même, n'empêche. On dirait pas comme ça, mais... Bordel. Oh, comment c'est liché. Et du coup, bah, heureusement qu'elle s'est lichée du coup. C'est ce qui lui a sauvé la vie, là, je pense. Ah, mais peut-être qu'il fallait marcher doucement, tout simplement, aussi. Peut-être que ça marche en marchant doucement. Bon, c'est qui est l'autre con là? Attends, j'ai récupéré la clé au fait? Ah oui. Je sais plus si je l'avais récupéré déjà. C'est pas liché, tout va bien. Il me fout des munitions de mitraillette, j'ai même pas de mitraillette. Allez, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Putain, 2 heures j'ai passé sur je sais même pas combien de niveaux en tout. 2 ou 3 je crois, putain, non mais laisse tomber, c'est pas la peine. Allez, hop, hop. Voilà, je ferme. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit raid? Je vois s'il y a quelqu'un. Ah bah y'a Arkand qui fait Hollow Knight. C'est pour toi Crux. C'est pour toi Hollow Knight. Ah oui. C'est grande histoire d'amour. Ouais, non, mais il n'y a que lui. Ah non, il y a Nounours. Qui fait, attention, roulement de tambour, Hollow Knight.
Matrix. Bonne nuit à tous les deux. On va aller faire un petit raid. Hop. Alors. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette hype sur Hollow Knight là? Ah là 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 là. Bonne nuit, Crisiole. Des bisous à tous les deux. Bougez pas, on va faire un petit raid. Ça l'a mis ou pas là? Ah oui, il est là. Putain. Oh là là. Putain, je suis bon, hein. Je suis doué. Hein. Putain. Bon, allez, sur ce, bonne nuit et puis à demain.